Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel et bienvenue à l'épisode numéro 17 de Sim Airport. Dans le dernier épisode, on s'est amusé à faire des gros plans parce qu'on va tout refaire notre terminal ici là, pour avoir une belle billetterie puis une belle zone de sécurité pour avoir le plus gros aéroport qu'il y a pas. Puis là, c'est le temps de mettre notre plan en œuvre. Mais c'est un petit peu mélangeant parce qu'il y a toutes sortes de couleurs. Peut-être que juste pour mes yeux, on va commencer avec juste enlever le sol. Parce que le sol ici, le fait qu'il soit toutes sortes de différentes couleurs, ça me mélange énormément. Donc juste pour faire ça jusque-là, disons jusqu'ici. Les gens vont pas aimer ça d'après moi, parce que ça va rendre les choses laides. On peut voir ici, ça a descendu. Mais au moins, ça va aider avec la construction puis tout. Pour moi en tout cas. Go, faites-moi ça. Comme on est en train de faire ça, je vais descendre ici, storage. Comme on est en train de briser puis de faire des affaires, on est en train de tout mettre en storage. Je vais vendre mes affaires ici. Et hop! Et voilà, un joli 43 000 $, merci beaucoup. Et puis là, il faut penser un petit peu à comment qu'on va faire pour faire notre nouvelle billetterie. Parce que là, ici, si vous permettez, ce que je vais faire, c'est je vais faire queue. Et puis ici, on va avoir 4 lignes d'attente. Une là, ça ici, ça va être la ligne d'attente des premières classes, si on veut. Ensuite, on va en avoir une autre qui va aller genre jusque là. Je l'ai dessiné à l'envers. Je les dessine toujours à l'envers, c'est la merde, ça là. Donc peut-être jusqu'ici. Comme ça. Et voilà, on va en avoir une autre. Merde, j'ai plus de place. Oh non! Faut que je tasse le mur. J'aurais besoin de dessiner, là. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ils vont aller jusque-là. Ça, c'est 1, 2, 3, 4. Celle-là. Celle-là, 2, 3 et 4. Eux, ils iraient jusque-là, comme. Puis après ça, ici. 1, 2, 3... Et 4, eux ici, ils seraient une autre ligne. Donc, ce que j'ai besoin, en fait, c'est que j'ai besoin de que ce mur-là soit tassé de un autre. Donc, on va éclairer ça. Éclairer ça. On va faire mur. On va tasser le mur ici, juste pour avoir une autre chose qui peut passer. Un autre gate, si on veut, qui peut passer. On va démanteler cette affaire-là. Et puis, on va faire les queues. Okay, donc, toi, tu t'arrêtes là. Tu vas servir ces 4-là. Toi, ici, tu vas arrêter là. Tu vas servir les 4 prochains. Et puis après ça, on va en avoir une autre qui va comme se rendre jusqu'ici. Mais là, en ce moment, la sécurité dans le chemin, mais qui va faire ça jusque-là de même. Et comme ça. Donc, voilà de quoi avoir l'air. Nos lignes d'attente. Boum, 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 boum. Un méchant nombre de lignes d'attente. Mais c'est ce que c'est pour notre sécurité. Donc ici, on va avoir une méchante grosse sécurité. J'ai-tu oublié quelque chose, moi, là? C'est quoi ton problème, toi, là? Attends un petit peu, là. Je vois des affaires ici, là. Pourquoi ça fait ça, là? C'est quoi le problème? Ah, parce qu'ils sont pas connectés. Shit. Pardonnez-moi. Donnez-moi vite, 2 secondes, là, ici, là. Où est-ce qu'il y a mon fuel? Et voilà, j'ai besoin de mettre des pipes de fuel, s'il vous plaît. Pipes de fuel, là. Pipes de fuel, là. Je les ai pas remis à la même place où ce qui était, hein. Pipes de fuel, là. Puis toi, t'as pas changé, donc t'es bon. OK, cool. OK, voyons voir. On peut faire le mur, faire une petite courbette de même, si on veut. C'est super cute. Puis là, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nos affaires de bagages peuvent accepter jusqu'à 5 connexions de bagages en même temps. Donc, en fait, si je peux avoir 5 kiosques à bagages, je peux en avoir ici, j'en ai 5 connectés ensemble. Je n'ajouterai un 6e. En dessous ici, le 6e, il faudrait qu'il rentre quelque part d'autre. Ça étant dit, par contre, j'ai quand même de la place pour en mettre un tapon ici. Donc, je pense qu'on devrait être bon. Ce que j'aimerais bien faire ici... C'est probablement juste avoir peut-être une petite section ici où les gens peuvent s'asseoir et attendre ou quelque chose de même. Mais ensuite, avoir un genre de pattern, si on veut, qui se répète pour la billetterie. Donc, on a trois différentes sortes de choses pour la billetterie. On a les ticketing desks de même qui sont juste des gens... Oups, pardon. Juste des gens qui sont debout. Voyons. Comme ça. On a des kiosques ici qui sont des gens tout seuls, mais on a aussi des affaires à bagages, des ticketing desks à bagages automatiques, me semble. Non, me semble qu'on a ça. On n'a pas un petit peu, là. Ils ont-tu changé le jeu? Il y a des kiosques automatiques, puis il y a des places à bagages. Je pensais qu'il y avait des places à bagages automatiques, mais je les vois pas en ce moment. Si vous les voyez, s'il vous plaît, laissez-moi savoir, mais je ne les vois pas. Je sais pas, est-ce qu'ils ont disparu? Je sais pas ce qui est arrivé, mais ils ont disparu mystérieusement, c'est officiel. Donc, voyons voir. Évidemment, ce que j'ai besoin, moi, c'est que j'ai besoin d'en mettre à 5 ensemble. Si on commence ici, je peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai mal fait ça parce que j'ai besoin de laisser de la place ici. Parce que ce que ça fait, ça, 4, 5, puis après ça, ici, c'est le tapis roulant. Comme ça, ici.
Donc, puis après ça, il cite, ça serait où ce que le tapis roulant, il rentre sous terre. Puis après ça, ça veut dire que... Genre, je pourrais répéter la même chose dans l'autre direction ici. Moi, là, je pourrais faire un espace vide ici de même. Comme ça, 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, ce qui veut dire que ici, ce serait où ce qui rentre sous terre. Donc, comme ça, ça, ce serait des billets. On aurait de l'autre bord du mur, ici, des billets, des kiosques automatiques, si on veut. Peut-être 3 par 3. Où est-ce que les gens peuvent aller... Oups, se connecter. 3. Attends, parce que je dis 3 par 3, j'aimerais bien que ce soit symétrique. Donc peut-être un à chaque 2. Pour le moment, si jamais on a besoin de plus, on peut en mettre plus. Boum, 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 boum. Et un dernier là, comme ça. Donc ça, de là, ça va doubler notre capacité. Parce qu'en ce moment, on a seulement 5. Là, on va en avoir 10. Puis après ça, il faudrait revenir ici puis penser un petit peu mieux à comment qu'on ferait ça ici. Mais je pense que ça, ça devrait être pas pire. Pour commencer. Donc on va avoir ici, on a ticketing kiosque, pas tant de choses. On va en mettre un ici à chaque. Comme je disais. Et puis après ça, pour les kiosques ici, comme je disais, un là, 3, 4, 5. Parce qu'on peut seulement en mettre 5 à la fois. Les sites, je peux pas toutes les mettre, donc je vais juste commencer avec 3. On va faire conv pour mettre des conveyors, des tapis roulants si on veut. Et puis le tapis roulant, lui, il va aller jusque là comme ça. Puis après ça, j'ai besoin d'un transition down, un tapis roulant qui va descendre en bas. Puis là, tu me laisses pas le faire. Pourquoi tu me laisses pas le faire? Parce que, asti. Non! Parce que ma pipe de gaz est drette là. OK. Il va falloir que je tasse ma pipe de fuel. Évidemment. Parce que utilité, cette affaire-là, on va faire ça de même. Ça, ça devrait nous donner assez de place, je l'espère. OK. Ils ont tout bâti ça. Donc là, on va venir ici, puis on va défaire ça. Ça, ça devrait pas briser rien. En tout cas, je l'espère. Et puis après ça, on peut, comme ils sont en train de faire ça, venir ici, puis faire conv... Puis faire un conveyor down. Et puis monter site. Et puis éventuellement, ça va être vert. Là, je sais pas dans quel angle. OK, c'est comme ça. Je dis là, je peux-tu le mettre là? Non. Daniel, fais pas. Je t'ai pas dit peut-être que je peux en mettre un autre. Mais non, le maximum, c'est 5. Donc, essaye pas d'en mettre un autre. Ça, ça va l'apporter en bas ici. De toute façon, en bas ici, on va tout connecter ensemble. C'est parfait, ça. OK, comme on est en train d'attendre, vraiment, je pense qu'on est en train d'attendre... Quand je pense comment ça va fonctionner, ce site, là, c'est... On va... OK, ouais, côté... planification ici, laisse-moi penser un petit peu, là. On devrait préparer ces affaires-là de sécurité. Avant de faire ça, on devrait... Hop! S'arranger à ce que les gens ici peuvent être confortables, parce qu'en ce moment, il n'y a rien. Ils sont juste tout... Ça doit être super plate en haut ici, il n'y a rien à faire. OK, attends un petit peu. Donc, on va peut-être juste plancher ici, là. C'est quoi qu'on faisait avant? On mettait tout le plancher noir, sauf où ce que les gens y sont, assis, le plancher est bleu. Donc, je pense qu'on peut faire ça, monter ça jusque là. À peu près ça, ici, faire plancher bleu. Oh non, tu me laisses... OK, ben. Au moins, mettre le plancher noir. On va commencer avec ça. On pourrait aussi mettre des chaises un petit peu partout. Comme ça, les gens peuvent s'asseoir, puis tout. Faut aussi que je déménage la cuisine, puis tout en haut, là, que j'ai pas fait encore, là. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Ça va au moins permettre aux gens de s'asseoir, de se relaxer, de se reposer un petit peu. Ça va faire du bien. J'ai un petit peu de difficulté à voir ce que je suis en train de faire, parce que... Il y a tellement de choses qui se passent que j'ai la difficulté à voir. Mais je pense que, à date, j'ai pas rien placé où ce que ça devrait pas être placé. C'est bon, ça? C'est bon, ça? Je pense que c'est bon, ça. On va venir ici, puis on va faire floor. Puis on va mettre un plancher bleu où ce que les gens sont assis, comme ce qu'on avait. Essayer d'utiliser le même genre d'approche qu'on avait, comme ça. Ouais, ça va beaucoup plus vite avec 40 personnes qui font la construction au lieu de 20, laisse-moi vous dire. Ça fait toute une différence. Là, ben j'ai dit ça, là, ils sont tous debout ici, là, en train de rien faire. Là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Sérieux, là? Qu'est-ce qui se passe? Wow! OK. Ça... Il attend. Ils se mettent tous là puis ils attendent, puis il y a une personne qui est allée chercher la boîte avec tout le tapis. Là, une personne va revenir, puis quand la une personne arrive, ça va faire plop. Et voilà! Donc, on a des belles chaises, on va mettre des arbres, parce que c'est important d'avoir les deux, bien sûr. Juste pour essayer d'augmenter un petit peu, pour que les gens soient un petit peu plus... ils se sentent un petit peu plus reposés là, dans notre aéroport qui est sous construction constamment. Là. Et puis comme ça, c'est fait. Ici, je pense qu'on devrait vraiment... On est rendu au point là, où qu'on devrait tout enlever. Là. Donc, on va enlever tout ce qui reste en bas ici. Enlever ça. Enlever les chaises ici. Ils n'ont plus rapport. Enlever les... Comme tout. Là. Tout prend le bord. Même les arbres. OK! Et puis, notre vol en bas ici est encore pris. 97 minutes. Il est presque 2 heures en retard. Puis, il attend...
Est-ce qu'il va y aller après ça, là? Est-ce qu'il y a encore du monde? Ok, let's go, là. Est-ce qu'il a mélangé Bered? Ok. Voilà, va-t'en. Puis à part de ça, toi ici aussi, là, t'es comme 20 minutes en retard en ce moment. Tout le monde est en train de passer par la sécurité ici, là. Go, go, go. Oh boy, checkez bien ça, là. On va vous régler ça, là. À partir de demain, là. On est ici. On a du travail à faire, mais ça va être tout réglé. Ouais, va-t'en. Va-t'en, toi, là, là. Asti, pourquoi vous êtes pas encore... Pourquoi vous êtes pas dans l'avion? Qu'est-ce que vous attendez? Ah non, les employés sont partis. Ok, ben fuck it. Toi, va-t'en d'abord. Oui. Oui, va-t'en. Les employés sont partis, là. Il est temps que tu partes. Il est sûr que les employés sont partis sans que l'avion soit parti, mais bon. C'est bien grec. Ok, maintenant, toi, dismantèle. Toi, dismantèle. Toi, dismantèle. On va dismanteler aussi toi et site. Parce qu'on a fini avec toi, dismantèle. Quand même pas pire la petite stratégie ici là pour tout refaire. C'est vraiment, comment dire, on va pas... on va pas reconnaître l'aéroport quand on va finir avec. Va être tout une différente aéroport. De toi ici, je t'ai dismantelé, je me rappelle plus, on va dismanteler ça. On va venir ici vite vite, on va faire sécurité, on va commencer tout de suite à bâtir des affaires de sécurité. Si on pourrait commencer à utiliser la sécurité tout de suite, ça serait super. Une place de première classe. 1, 2, 3, 4 minimum. Puis je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire en ce moment parce que ces marches-là sont encore dans le chemin. En fait, je devrais peut-être juste défaire ces marches-là. Puis les marches-ci, c'est ce qu'on va faire. En fait, est-ce que les escalateurs sont... Oui! Ah, excellent! Ok, donc je peux juste mettre mes escalateurs ici en espérant qu'il n'y a rien dans le chemin. Non, j'ai des escalateurs qui montent, s'il vous plaît. Ça a l'air comme s'il y a quelque chose dans le chemin, hein? Merde! Les autres marches ici sont dans le chemin. Qu'est-ce qu'il y a dans le chemin? Ok, on va défaire ça aussi en espérant qu'ils vont... S'ils vont assez vite, on devrait être correct. Mais allez vite en souple, là. Go, go, go! Ah oui, là, vous êtes 40. Vous devriez être capable de faire ça assez vite. Ah oui, où est-ce que vous allez? Je veux que vous défaisiez ces affaires-là. Go! Toi aussi, dismantèle. Toi aussi, dismantèle. Ok, parfait. Toi ici, escalateur. Escalateur. Ah oui, je sais, tout le monde capote, là, parce qu'il n'y a plus de place, là. Mais c'est correct, là, gars, là. Quoi le problème? Ah, maudite merde! Dismantèle ça! Dismantèle ça! Dismantèle ça! Ça ici, c'est toutes des hautes priorités, là. Urgent! Urgent! C'est-tu? Urgent! Parce que c'est des affaires-là, c'est des guichets-sites qui sont dans le chemin, là. Bon! Ok! Descends! Encore une fois! Escalateur! Ok! Escalateur, hop! Parfait! Escalateur down! Hop! Je veux que tu sois là. C'est quoi ton problème? Ah, ces affaires-là, maintenant, sont pas parties encore. Ah ouais, let's go! Urgent! Urgent! Go! Plus vite que ça! Lui aussi! Ok, merci. Toi ici. Escalateur down. Eh boy, c'est stressant. Ok, comme ça. En fait, lui, il devrait être de même? Non, il devrait être de même. Ok. Comme ça. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on a deux escalateurs au moins qui vont permettre aux gens de monter puis de descendre. Donc ça devrait régler ce problème-là, parce qu'en ce moment, ils disent « Ah, il n'y a pas de façon de se rendre! » Ah, mais il devrait avoir une façon de se rendre, à un moment donné, là. Let's go! Parfait, ok. That's good. Coach don't have a designated queue on any security check that stand that leads to this gate. Non, c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, ça! Ah, oh, merde, ça, c'est tout... Là, ça, c'est en train de causer un problème, parce que je peux aller assez vite, puis le premier vol, il est à veille d'arriver, s'il n'est pas déjà arrivé. Donc, on va juste faire ça de même, on va juste fermer le mur ici, là. Comme ça, on peut bâtir nos affaires de sécurité, là. Mais c'est correct. Tiens, ça monte. Vert, ça veut dire ça monte, hein, c'est ça? Je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça. Oui, ok, vert, si ça monte, les gens vont pouvoir monter, sortir là. Ok, parfait. Go, 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 exactement. C'est ça qu'on veut. Parfait, ok. Ok, comme ça, c'est en train de se faire. On va venir ici, puis on va faire sécurité. Non, j'ai besoin d'un body. Body. Body scanner, parce que c'est, on met des body scanners par là-bas. Un là, et un là, et un là, et un là, et un là. Donc il y en a 5. Est-ce que j'ai fait ma recherche pour Advanced Security? Ça ici, ça donne l'habilité de assigner des affaires à des affaires. Je veux ça, je vais l'avoir dans une journée, ce qui est parfait. On va faire ça, sécurité aussi en attendant. Essaye de toi, on va faire ça de même, et ça de même, et ça de même. En fait, ça c'est niaiseux, je devrais le faire un de plus de même. Mais est-ce que les gens vont pouvoir marcher là, je sais pas. Mais, ok, toi. Là comme ça,
sécurité. Je sais pas si les gens peuvent passer à travers des murs ici, mais des fois, ils peuvent. Là, ok, parfait. Puis là, toi ici, cancel ça. Donc ça va se faire. Eux, ils flashent en ce moment parce qu'ils sont pas dans une zone de sécurité, mais c'est correct. C'est correct parce que j'ai mis un gros mur, donc il n'y en a pas de problème. On va même pas en parler. Puis moi, je pourrais en mettre un autre site juste pour... juste bâtir les affaires assez vite. Là, je veux un ça de même. Avec un ça de même, s'il vous plaît. Et un body scanner. Body scanner. On a un trou dans le mur ici qu'on va boucher. Là, parfait. En passant, tout le monde ici est bon, là? Tout le monde est de retour. En haut, donc ça devrait faire du bien. Il y a un petit peu un bouchon ici avec nos escalateurs, ça a de l'air. Pas tout le monde peut descendre. Côté montée, on a de l'air correct, mais côté descente, ça a de l'air rough un petit peu. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est qu'on va déboucher ici. Et puis on va faire un escalateur qui va comme vers la droite, un escalateur qui va vers la gauche. Ça va aider à déboucher un petit peu. Mais pour les gens qui débarquent, c'est pas si pire que ça. C'est vraiment les gens qui embarquent qui m'inquiètent. Donc on est correct. Tout va bien. Tout va bien, c'est ça l'important. Ok, donc toi, tu vas être assigné ici. Et puis, ce sera première classe, etc. Et assigné là aussi. Puis ici, c'est pas la première classe, etc. Parfait. Pour toi ici, je veux t'assigner là, s'il vous plaît. Et puis, on va... Ah, si j'ai des difficultés avec le zoom, là. Toi, on va t'assigner là. Toi, on va t'assigner là. Toi, on va t'assigner... Non, Non, ici, je vais t'assigner en haut là. Pourquoi je peux pas te l'assigner en haut ici? Bon, ben, ça a l'air qu'on t'assigne en bas ici. Puis toi, on t'assigne en bas ici aussi. Et puis, on va éteindre ces affaires-là. OK. Là, pour nos body scanners, on a besoin d'une affaire de body scanner. Donc, si je dis body scanner... Non, attends, tu peux pas body scanner. Excusez-moi, c'est remote body scan patente. Remote body... Voilà. Remote body scan patente. Donc, ça ici, j'ai besoin d'en bâtir un. Je pourrais comme le mettre là. Puis après ça, je vais peut-être en avoir besoin de plus que un. Donc, on va en mettre deux. Et puis, je connecte toutes ces affaires-là à ces machines-là. Et puis là, ça fait à ce que j'ai besoin d'une personne de moins, ce qui est toujours bien. Puis je pense que ce qu'on va faire ici, là, nous, là, c'est qu'on va... cette nuit, ce soir dans le jeu, on va fermer toute la sécurité. Puis on va carrément juste tout ouvrir ça. Ce qui veut dire que ici, ce que je devrais faire en ce moment, c'est que je devrais tout de suite me préparer pour avoir ça ici de près. Genre un tapis roulant qui va arriver, donc je devrais te bâtir pour que tu puisses arriver jusqu'en bas ici. Là, pour accepter les bagages, parce que si je peux avoir la billetterie de déjà prête, je vais avoir la billetterie de déjà prête. Tout va se passer ce soir. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts? Moi non. Puis toi, t'arrêtes pas de flasher. C'est quoi ton problème, toi, là? You are missing quelque chose. C'est quoi le problème? J'ai besoin de 6 staff. Il me manque, semblerait, 6 staff. Ah, j'ai besoin de 2 autres sécurités. Ah, la sécurité, c'est correct, ça. Mais toi, ici, j'en ai besoin de 6 autres. On va pas niaiser avec ça, là. S'il me dit que j'en ai besoin, on va les prendre. Oh, mon Dieu. Puis après ça, quand j'en ai 3, on va les débaucher, là. Ou les désembaucher, ou je sais pas trop quoi, là. Ok, voyons voir. Toi, ici, maintenant, je peux pas t'assigner. Parce que j'ai besoin de finir ma recherche. Merde, finis ta recherche, Sty. Tu me niaises. Je peux pas utiliser ces affaires-là jusqu'à ce que j'ai fini ma recherche. Ah non? Ok, en attendant que la recherche termine ici, puis ça a l'air comme si ça va y prendre un autre 11 heures. Ce qui est correct. On devrait être bon pour demain. On a pas mal fini nos affaires ici, donc je vais faire dismantel pour tout ça ici. Comme ça, je peux bâtir mon joli tapis roulant qui va apporter mes bagages jusqu'en bas ici. Évidemment, j'aurai besoin de deuxième tapis roulant, donc je devrais en fait avoir une plus grande fondation. Comme ça, je peux faire les deux. Je sais pas, là, comme juste de là, là. Parce que je veux pas que les tapis roulants se foncent dedans, hein? Mais, si je peux faire ça jusque là de même, puis après ça, ici, je vais le tasser à gauche. Comme ça, après ça, les bagages qui arrivent de eux ici, ils vont venir se connecter ici. Puis mes bagages à moi, ils vont venir se connecter là. Hein? C'est comme si je savais qu'est-ce que j'étais en train de faire, hein? C'est comme si j'ai déjà joué à ce jeu-ci. Je pense pas que je suis un expert ou rien de même, mais... Tain, ça... À date, ça fonctionne. À date, ça fonctionne. Donc, juste pour pas rien mélanger, je change pas les zones ou rien de même tout de suite. J'attends que ça ici c'est fait. Puis eux ici, malheureusement, pour les bagages, il va falloir qu'on attende. Puis il va falloir que je défasse tout ça, là. Mais aussitôt que la soirée arrive, je démantibule toute cette patente qui bloque le chemin, là, puis on ouvre ça. Ça ici, ça va donner notre nouvelle zone de billetterie. Ça ici, notre nouvelle zone de sécurité. En espérant qu'on fasse pas toute la bébelle. Il y a ça aussi que je veux utiliser, Moving Walkway. Ça, c'est un tapis roulant pour les gens, puis c'est ça que je voudrais mettre ici. Comme ça, les gens qui passent la sécurité en haut ici, ils peuvent aller plus vite pour sortir de la sécurité jusqu'ici. J'adore. Le fait que tout le monde ici, ils sont dans la sécurité, puis ils sont tous fâchés parce qu'ils ont tout manqué leur vol. Toi ici, gars, va-t'en, là. Oui, je te gâche que tous mes employés sont déjà partis. Ouais, c'est ça. Donc, va-t'en, tout le monde va retourner à la maison, c'est bien correct. C'est la dernière journée qu'on va faire ça. Mesdames et messieurs, il est minuit, c'est le temps de faire des gros changements.